Dans la grande soupe originelle, plusieurs cellules se sont unies pour amorcer, au naturel, toutes les prémices de la vie. Les poissons, suivis des reptiles, les oiseaux et les mammifères, dans un équilibre subtil, ont su se partager la terre. Toi, le dernier maillon de la chaîne, quand tu décroches ton fusil et laisses libre cours à ta haine sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui vit, as-tu pensé un seul instant, par le geste que tu vas commettre et que tu trouves très excitant, tu vas tirer sur tes ancêtres, tes ancêtres. Avec des fermes de 1000 vaches qui ne verront jamais un brin d'herbe, c'est pas glorieux et on le cache, mais les bénéfices sont superbes, superbes, superbes. Avec des poulets en batterie à 30 dans moins d'un mètre carré, on est au cœur de la barbarie. Mais le bénéf, ça c'est sacré. Mais le bénéf, ça c'est sacré, ça c'est sacré. Toi, le bipède, cloche ou branché, pour qui la barbaque c'est is good, quand tu bouffes ton beefsteak haché ou tes nuggets dans les fast food. Rien qu'un instant as-tu pensé que tes choix d'alimentation avaient permis de réinventer rien moins que les camps de concentration. Les camps de concentration, 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 concentration. Pour les improbables exigences d'un dieu et ce qu'on lui fait dire, on inflige les pires souffrances aux animaux qu'on veut oxyre. Moutons qu'on égorge tout à trac, plus facile ensuite pour les tondre. Poussins qu'on étouffe dans un sac, car nez coq, ils ne pourront pondre. Toi, le pratiquant très sincère, quand tu dégustes avec délice le tagine que l'on te sert, ou une omelette, ou des saucisses. As-tu pensé rien qu'un instant que tes pratiques alimentaires, même si ton ventre en est content, faisaient de toi un tortionnaire? C'est sûr, la nature n'est pas tendre, quand le lion dévore la gazelle, bien mal armée pour se défendre. Mais c'est pour vivre qu'il est cruel. Jamais dans le monde animal, on a vu, comme le font les hommes, pratiquer par plaisir du mal des génocides et des pogroms. Les deux premières cellules vivantes, que certains nomment Adam et Ève, sont à l'origine des suivantes dans l'évolution qui s'achève. Cela a conduit jusqu'à nous, il est temps de le reconnaître. Je vous en supplie à genoux, ne tirez plus sur vos ancêtres !